Voilà un petit montage pratique pour le modélisme ou éventuellement autre chose. Donc c'est une petite alimentation que l'on peut réguler. Donc on rentre entre 0 et 45 volts et on peut sortir entre 0 et 43 puisqu'il faut 2 volts d'écart. Donc c'est tout simple, une entrée ici, une sortie ici, donc avec un petit lipo, c'est très bien. Et ici on a un petit potentiomètre qui permet de régler la tension de sortie. Pour pouvoir vérifier cette tension, je mets avec un petit afficheur LED, tout simple. Et je mets dans une boîte avec un interrupteur. Donc voilà, le montage de tout à l'heure est terminé ici. Donc j'ai rajouté un petit interrupteur parce que c'est quand même plus pratique. Donc là je pars d'un 3S. Donc 3S théoriquement 11 et quelques volts. On va dire 12 pour arrondir. Je rentre ici, j'allume. J'ai choisi ma tension puisque j'ai fait un petit trou dans la boîte qui permet d'accéder au potentiomètre que j'avais montré tout à l'heure ici. Donc là je l'ai réglé à 5,4 ou 5,5, on va vérifier. Donc j'allume tout simple. Voilà. Et là je suis à 5,58. On va jouer un peu avec. Voilà, là je suis monté à 8,16. Je vais essayer de descendre, on va voir. Ça devrait marcher aussi. Donc pour descendre, tout simple, il suffit d'aller dans le potentiomètre. Là, je suis au-dessus du potentiomètre et je vais le régler. Alors là on monte, hop, on va essayer de mettre 10, voir si ça veut. Voilà, 10. Là je vais descendre par exemple 3 volts. Si je voulais 3,5 volts. Et voilà. 3,5 volts. Donc ça marche parfaitement.